We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, dear colleagues. Welcome to the main session. Bonjour, chers collègues. Bienvenue à cette session qui concerne les nouvelles réglementations. Bienvenue à tous ceux qui assistent, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont avec nous via Internet. J'aimerais avant tout donner la parole à notre modérateur, M. Johan Kurbalia. Oui, bienvenue. Comme vous pouvez le voir, je suis ici dans mon bureau, dans la ville éternelle, au Vatican. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai participé à une session qui concernait le dialogue entre les religions dans le contexte des nouvelles technologies numériques. C'était une discussion fort intéressante et il y a une question de savoir comment approchent les religions l'intelligence artificielle et les questions numériques. Ça, c'était le sujet principal de cette discussion. Je suis heureux qu'aujourd'hui, je pourrais parler d'un sujet similaire avec les panélistes que je vais vous présenter. Pendant cette discussion dont je parle, il y a une question qui est apparue. Avec qui est-ce qu'il faut contacter en cas de problème? Que faire si jamais il y a des problèmes de cybersécurité, de protection de la vie privée, de l'accès à Internet? Je pense que c'est un dilemme très important aussi pour nous, je veux dire la communauté autour des sommets chefs. Que pouvons-nous faire pour répondre à une question si simple, si basique, qui va réapparaître de plus en plus souvent, puisque nous sommes de plus en plus dépendants du réseau, de la toile et des technologies qui sont liées avec. Heureusement, nous avons le plaisir, du moins moi, en tant que modérateur, j'ai le plaisir de participer à la discussion avec des intervenants de grande classe. Bienvenue à vous. Oui, donc, grand merci. Nous sommes heureux de voir ces invités qui représentent non seulement les institutions, les grands noms et qui ont de grandes connaissances de cet expert, mais qui vont aussi contribuer à nos débats. Selon nous, quand nous allons parler du futur des réglementations concernant Internet. Donc, si ceci vous intéresse, vous êtes au bon endroit et au bon temps. Qui sera avec nous aujourd'hui? Avant tout, il y aura Margaret, qui est vice-présidente de la Commission européenne. Il n'y a pas besoin, évidemment, de la présenter. Pardon. Il y a eu un changement au dernier moment en ce qui concerne la Commission européenne. Donc, on a eu une européenne parlementaire et non pas la représentante. Je parle de Mme Mia Petrakampula-Natri. Donc, membre du Parlement européen. Donc, l'Union européenne sera excellemment représentée en la personne de Mia Petrakampula-Natri. Je regarde le vieux programme, je suis désolé. Mais souvenez-vous que tout se passe si vite. Internet change au quotidien, d'un moment à l'autre, je dirais. Même au Vatican, ici, beaucoup de choses changent, même si l'Église et la ville elles-mêmes sont éternelles. Et qui parle de leurs affaires depuis des décennies. Donc je m'excuse pour ce changement. Nous avons avant nous aussi Vin Cerf, personne connue de tous, un des pères d'Internet, la personne qui a inspiré le monde entier d'entrer dans l'ère numérique.
en remerciant UtahServe de nous avoir connectés à partir de Washington. Entre nos honorables panélistes, Anton Gorelkin, member of nous avons aussi Anton Gorelkin, qui est parlementaire russe. Et il nous parlera justement de la Russie et de ce qui se passe au Parlement russe dans le contexte des, de la réglementation concernant l'Internet. Bonjour, monsieur le député. Nous avons aussi le représentant d'ICON, monsieur Hick. Je sais qu'il y a eu aussi quelques petites modifications en ce qui concerne les représentants des différentes organisations. Je regarde donc ici mon agenda, mais je veux dire que c'est ça aussi la beauté d'Internet et des rencontres virtuelles. Nous ne savons pas toujours qui va être connecté. C'est magnifique. Alors je vais rajouter, dit le modérateur, que la dernière version de l'agenda vient de t'être envoyée sur le chat. Ah oui, en effet, je vois. Donc nous avons Carolina Aguirre, qui représente l'Université Saint-Andrés d'Argentine. Donc j'ai ouvert le chat et j'essaierai de bien prononcer tous les noms. Je m'excuse encore une fois, Madame Mia Petra Cumpulenatri, qui représente le Parlement européen. Bonjour Madame, à notre session. Nous avons aussi Madame Mihad Dab, qui est la directrice exécutive de Digital Rights Foundation, la fondation qui fonctionne en Inde. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à nos honorables panélistes, nos intervenants, je vais juste ajouter que Carolina Aguirre, en plus de son travail à l'Université de Saint-Andrés, elle est aussi vice-directrice du Centre pour les technologies et pour la société CETIS. C'était ça, titre d'introduction, de présentation de nos invités. Souvenons-nous que cette session est partie d'un processus plus large. Lorsque nous parlons de renforcer Internet, comment renforcer aussi le sommet numérique. Le plus important, c'est de pouvoir nous rencontrer, d'échanger. Moi, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu venir à Katowice, mais je pense qu'en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est de bien préparer le processus, de le bâtir, de bâtir son architecture et de progressivement se préparer à ce que notre Internet, nos connaissances entrent dans la phase de maturité. Dans ce contexte, nous allons parler de législation, d'arrêter et tout ça, et comment les mécanismes influent sur les collectivités locales, sur les secteurs publics, privés, comment s'en occupent les institutions de normalisation, mais aussi les parlements et les administrations publiques. Alors, il faut se demander, poser la question, comment, que font de cet enjeu les différents parties prenantes. Cette approche me paraît la plus appropriée. J'aimerais aussi mentionner ce que j'ai déjà dit au début. L'intérêt qu'Internet et la réglementation ont éveillé dans les différentes communautés religieuses, parce que nous avons la lettre de la loi, donc tout ce qui est adopté, les lois et les résolutions des différents parlements. Je suis convaincu que les représentants des parlements nationaux ou européens vont en parler aujourd'hui. Enfin, nous avons les meilleures pratiques ou les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre par les sociétés. Tout ceci renforce la gestion d'Internet, la supervision d'Internet et le contenu numérique. Ça serait la loi. Mais là, la vie suit sa propre route. Il y a des problèmes qui surviennent. Il y a des éléments qui sont plus faibles. Et il faudrait qu'on le mentionne, nous aussi, dans le contexte d'un paysage très diversifié qui se présente devant nous lorsque nous parlons de contenu numérique.
Et je pense que ceci peut être un cadre essentiel, le cadre, considérer le cadre essentiel de nos discussions. Essayons de nous concentrer sur trois domaines les plus importants. Réfléchissons, qu'est-ce qui se passe en matière d'Internet et de la gestion du contenu numérique dans les domaines des données, des contenus et l'intelligence artificielle. Nous allons essayer de parler de ces trois aspects dans le contexte de bonnes pratiques, donc nous pouvons faire cas et de l'administration de ces processus. Alors, mesdames et messieurs, maintenant j'aimerais passer la parole à Madame Mia Petra-Kumpula-Natri qui représente le Parlement européen. Si vous aviez la gentillesse de nous faire part de vos expériences dans le contexte de la supervision des données. Parce que je comprends que l'Union européenne, le Parlement veille à la protection des données. De quelle manière, donc, dans ce contexte, on peut approcher les données aussi dans le contexte de l'RGPD, entre autres, mais aussi autres. À vous la parole. Merci beaucoup pour votre de m'avoir invité pour ce forum. Suis-je bien entendu? Oui, très bien. Tout est, on entend très bien. Très bien, très bien. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai essayé de dire bonjour dans des langues différentes et vous envoyer les salutations du Parlement européen. On m'a dit que. On m'a informé de cette rencontre ici il y a peu de temps, mais c'est avec grande joie que j'ai accepté cette invitation pour le débat d'aujourd'hui. J'allais aller à Guadalajara et à Paris pour les sommets précédents. Je n'ai pas réussi, mais au moins aujourd'hui, je peux être avec vous en ligne à Katowice. Je sais qu'il y a une liste d'excellents intervenants qui attendent et c'est avec grand plaisir que j'écouterai ce qu'ils ont à dire, mais je vais juste placer quelques mots au nom du Parlement européen. Donc nous avons la question éternelle, réglementée ou ne pas réglementée. Évidemment, il y a des domaines dans lesquels sans réglementation, on ne pourra faire aucun progrès. L'un de ces domaines sont les données et l'interopérabilité des données et leur exploitation sont un grand enjeu ici. De quelle manière pouvons-nous standardiser l'utilisation des données? Si toutes les données, nous essayons de les standardiser et leur gestion et l'administration ramener à juste un coup de peigne juridique, ça serait un non-sens. Je sais que les services changent, il y a de nouveaux formats de données, de nouveaux modèles innovants, donc il ne faut pas penser à l'interopérabilité et de la possibilité d'assurer aussi la compétitivité des différents acteurs du marché. Il semblerait donc que dans le contexte de l'interopérabilité des données, il est indispensable de créer un cadre juridique suffisamment large qui nous permettra en Europe de gérer ces données. Et c'est bien de cela que nous nous occupons au Parlement européen. Et ce n'est que la semaine passée que nous avons réussi à atteindre une entente politique. Moi, j'ai fait partie de l'équipe de négociation. J'ai négocié au nom du Parlement européen. Il est très important de dire comment nous allons définir les données interopérationnelles dans le contexte des données. Dans ce nouvel arrêté, dans ce nouveau cadre juridique, ce qui s'appelle le DGA, The Governance Act, donc la loi qui aura une mission contraignante, nous créons le Conseil de l'innovation des données. Dans ce cadre, il y aurait des représentants de différentes parties intéressées, donc aussi les représentants du monde universitaire, de l'industrie, de la société civile, mais aussi des institutions qui s'occupent de normalisation de données, car il s'agit ici
de faire en sorte à ce que dans le cadre de ce conseil, élaborer des lignes directrices qui vont refléter les meilleures pratiques et les meilleurs standards que nous voulons mettre en œuvre sur notre marché européen. Le concept base sur une approche où le marché européen est crédible, où nous pouvons échanger les données. Évidemment, rien ne se passe sans fonds européens. C'est pour cela qu'il y aura à ce sujet, il y aura pour cela un financement ou des financements. Alors, deuxième chose, c'est la sécurité des données, la protection des données. Nous voulons que les données soient protégées de manière crédible, mais aussi transparente, en particulier dans le contexte de la protection des données personnelles. Là, on peut dire que notre joyau est le GDRP, donc la loi sur la protection des données personnelles mise en œuvre dans différents pays, dans tous les pays de l'Union européenne. Nous tenons aussi à ce que ce type de réglementation soit respecté dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis qu'en Chine. Tout cela dans le contexte de la protection de la vie privée des personnes privées qui utilisent les services en ligne. Nous savons que nous sommes très loin de l'idéal encore pour l'instant et nous sommes conscients du fait qu'il peut y avoir de grosses perturbations si jamais Internet était entièrement ouvert et vraiment accessible. C'est pour cela que l'Union européenne, depuis longtemps déjà, essaye de pondérer ou d'équilibrer les droits, mais aussi les obligations liées à la gestion d'Internet et sur l'accessibilité des données. Alors, je n'irai pas plus en profondeur dans les détails concernant ce sujet, puisqu'on m'a uniquement demandé de procéder à une introduction. Mais comme vous l'aurez peut-être remarqué ou deviné, je viens de Finlande et mon pays est assez actif pour ce qui est de la protection des données et de des possibilités d'échange de données sur le marché mondial, entre autres. L'envoi de données entre les sociétés est quelque chose que nous surveillons de près en Finlande. Il est très important que les entreprises puissent, de manière avec toute crédibilité, échanger des données, qu'Internet soit un lieu sûr et que toutes les entités qui sont engagées sur la chaîne d'échange de données puissent montrer qu'effectivement, il y a des mécanismes de sécurité en termes d'espace numérique. Et quand je parle d'interopérabilité de la sécurité numérique, c'est bien de cela que je parle. Nous savons qu'Internet, en tant que réseau, Internet est un réseau, mais aussi l'Internet des objets, doit assurer la sécurité des entités, des sujets, puisque ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons effectivement parler d'une gouvernance de la sécurité. Nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, seules les plus grandes plateformes Internet sont en mesure, peuvent se permettre une véritable interopérabilité, parce que c'est cher tout cela. La cybersécurité, ça a un coût et c'est cher. Mais nous considérons qu'il est essentiel que l'interopérabilité en matière de sécurité permette, soit présente à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de données via Internet. D'où nos travaux sur une nouvelle loi concernant la gestion des données qui, comme je l'ai dit, est déjà, à l'heure où je vous parle, en cours de négociation au Parlement européen, ce qui constitue, je pense, un pas en avant très important pour ce qui est de la gestion des données et de la mise en application de la création de normes concernant les échanges de données et l'administration des données sur Internet. Souvenons-nous d'une chose, c'est qu'aucun aucun gouvernement, aucune administration ne sera en mesure de prendre à bras le corps ce sujet seul. Il est donc important que l'Union européenne continue à travailler à la création de standards appropriés en matière de gestion Internet. Souvenons-nous d'une chose, c'est qu'il s'agit de la sécurité de nos citoyens et de la sécurité des services Internet et de leur crédibilité. Vous avez
avez dit vous-même que vous dites que vous êtes finnoise. On sait que la Finlande fait partie de la Ligue 1 mondiale pour ce qui est du traitement des données, pour ce qui est de l'accessibilité des données, pour ce qui est de la protection de la confidentialité et de la vie privée, pour ce qui est de la sécurité des intérêts des diverses parties prenantes. Je vais bientôt donner rendre la parole. Mais il y a une question qui a été posée. Je voudrais vous inciter à essayer de répondre à la question. J'espère que les questions évolueront. Je pense que les réponses pourraient évoluer avec le temps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne change pas de compte, en fait, sur les réseaux sociaux? On change d'opérateur, par exemple, on passe d'un opérateur de téléphonie à un autre. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas d'un compte à l'autre comme ça sur les réseaux sociaux? On pourrait faire ça. C'est une question intéressante. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse sur l'interopérabilité. Je voudrais maintenant donner la parole à Vint. Vint est un des pères d'Internet. C'est grâce à lui que nous avons qu'Internet est ce qu'il est aujourd'hui, un espace de libre circulation des données. Vint, ne nourrissez-vous pas quelques peurs pour ce qui est de la transmission des données, notamment? Et puis, dites-nous ce que vous pensez des meilleures pratiques dont il est si souvent question pour ce qui est de la gestion des données. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai préparé une réponse, mais je voudrais d'abord commenter les remarques qui ont été faites par notre collègue qui a été très cohérente alors qu'elle a appris qu'il n'y a peu d'ailleurs qu'elle devrait participer à ce colloque. Vous avez complètement raison, en tout cas, lorsque vous parlez du besoin d'interopérabilité, qui est absolument crucial, effectivement, pour ce qui est du mouvement de la circulation des données sur Internet. On a effectivement un besoin d'interopérabilité pour ce qui est de la bonne circulation des données, il faut s'en souvenir. Il me semble que nous devrions bénéficier d'une sorte de... avoir un peu comme des pompiers en cybersécurité qui seraient là pour éteindre les incendies quand il y a des incendies au sens figuré, c'est-à-dire des risques soudains, douloureux en la matière. Et les pompiers n'existent pas, la cavalerie n'existe pas, malheureusement. Donc, comment faire pour se préparer le mieux possible? Ces dernières quatre décennies, Internet nous a donné la possibilité de développer très rapidement des techniques informatiques, d'échanger des données, des informations, des services. Mais Internet est aussi une toile qui nous permet d'échanger des opinions tout en promouvant la liberté d'expression. Le moment est sans doute venu, je pense, de montrer que, outre ces grandes libertés, Internet est aussi une plateforme, une toile qui nous permet de protéger les valeurs que nous chérissons, les règles que nous voulons voir régir le monde électronique. Nous voulons qu'Internet ne soit pas uniquement l'aire de jeu, le terrain de chasse des plus grandes entreprises, mais aussi des moyennes, des petites, et des citoyens, des consommateurs, dans un véritable jeu de libre concurrence. D'où aussi la nouvelle loi sur les données. Mais je pense que nous avons besoin aussi d'autres initiatives, comme l'initiative pour la protection des nouvelles technologies, l'initiative pour la protection de la sécurité pour la protection des données personnelles. Je pense au RGPD, je pense que beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises comprennent que saisissent toute la valeur et toute l'importance de ces choses-là. Nous considérons que la protection des données personnelles devrait être une chose protégée au quotidien. Alors il y a le RGPD, mais il y a aussi la mise en place de normes concernant l'e-privacy, la confidentialité numérique.
Google, il travaille avec une nouvelle politique de gestion des témoins, des cookies, comme on dit en anglais, les témoins en français. Donc ça demande une coopération avec divers agents législatifs. Il s'agit de pouvoir utiliser de tirer les fruits de la cartographie moderne de manière à améliorer la sécurité des usagers d'Internet. Les usagers d'Internet doivent pouvoir utiliser, sans avoir peur, les outils techniques. Vous savez, il y a des millions d'usagers de Google, a des millions et des millions d'usagers. Il est important que ces usagers puissent être sûrs que leurs données sont en sécurité. Il y a pléthore de services, des plateformes comme YouTube, par exemple, pour citer une des plus connues, mais vous savez qu'en un clic sur YouTube, on est en mesure d'obtenir un nombre impressionnant d'informations sur un utilisateur donné. On va savoir en un clic ce qu'il a regardé, donc ce qui l'intéresse. Sur Google, Google nous rappelle qu'il faut avoir divers mots de passe selon les ne pas utiliser le même mot de passe pour toutes les plateformes, qu'il faut changer de temps en temps de mot de passe, qu'il faut que le mot de passe soit assez compliqué. Donc, nous croyons profondément que ce qui est important, c'est l'éducation. Et chez Google, nous faisons beaucoup pour aller en ce sens. Nous sommes très actifs, nous contribuons à cela. Nos sociétés qui se sont toujours battues pour la liberté d'expression se battent maintenant aussi pour la sécurité à travers des initiatives basées sur l'éducation. Il s'agit d'activités menées aux États-Unis. Un nouveau décret est apparu. Il s'agit ici notamment de la loi concernant la communication sur Internet. Et concrètement, le paragraphe 230, l'alinéa 230, les questions d'autres solutions, comme les solutions brésiliennes. Et ce sera tout de mon côté pour l'instant. Je vous rends la parole, monsieur le modérateur. Oui, vous avez parlé d'ADN. Vous dites en gros que dans notre circuit sanguin, on a dans le sang, vous dites en gros, au sens figuré, que la sécurité des données, on l'a dans le sang. Il faut pondérer les choses, effectivement, parce qu'on a toujours besoin de liberté de sécurité. Alors il y a beaucoup de métaphores de ce type-là, on a ça dans le sang, on a ça dans la peau, ça fait partie de notre ADN, etc. etc. Tout ça, ça dit exactement la même chose. Et c'est très fort. Il a été question aussi du Parlement européen, notre collègue finnoise en parlait, mais vous parliez du besoin d'interopérabilité, si je me permets de résumer les choses vraiment de manière très rapide. Mais le message qui apparaît ici en filigrane, c'est que ici et là, on essaie d'être sûr de la manière dont vont se développer plus avant les textes de loi. On dit tous que le plus important, c'est la prévisibilité de la loi. C'est toujours important pour les entreprises. Puisqu'on a des données, disons qu'on les a, elles sont sur la table, il y a une dynamique concernant l'interopérabilité, la standardisation, la normalisation. Nous parlons de sûreté, de sécurité par rapport aux solutions. On parle aussi paradis fiscaux, mais dans ce cas, les paradis, pour ce qui est de la sécurité d'Internet, il y a une initiative qui a cours en Suisse, et c'est numérique justement. Et je voudrais qu'on en parle. Parlons de la manière dont nous protégeons le contenu. Nous avons parlé un peu de données, je voudrais maintenant que nous parlions contenu. Alors, la question que je vais poser à M. Anton Gorielkin, qui est député russe, député à la Douma. Je voudrais aussi donner la parole à Madame Nihad Dat, qui est directrice à Digital Rights. Monsieur le député, je voudrais commencer par vous demander quelle est votre expérience en tant que député à la Fédération de Russie, à la Douma. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la gestion des contenus numériques ? I am a MAG member from the Russian Federation,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis membre du MAG, du Conseil de surveillance de MAG. Monsieur Gorielkin, hélas, il travaille maintenant. Il est justement au Parlement russe, il est à la Douma, il est en train de présenter un projet de loi. Donc peut-être qu'on réussira à le connecter, mais pour être clair, je ne suis pas Monsieur Gorielkin. Oui, bien sûr, d'accord. Internet nous donne beaucoup de possibilités. Internet nous donne le don d'ubiquité, mais ubiquité ne fait pas... pouvoir être partout, c'est une chose, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Or, M. Gorielkin est en train de travailler un projet de loi, c'est exact. Passons donc à l'intervenante suivante. Monsieur, et non pas Madame, Monsieur Nikhratdad. Madame Nikhratdad, pardon. Vous êtes particulièrement expérimenté et vous connaissez le contexte indien. Non, pas indien. Moi, je suis du Pakistan et pas d'Inde. Mais je vais vous présenter notre point de vue. Excusez-moi, j'ai fait l'erreur diplomatique la plus lourde que je puisse faire en plein sommet de l'IGF. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de conséquences. Moi, je voudrais simplement, je vous remercie du fond du cœur et voudrais vous mettre à l'aise. Je ne me vexe pas. Vous savez, moi, pendant mes études, en réalité, j'étais spécialisé dans les droits numériques, justement. Gestion Internet, gouvernance Internet. C'est en 2009 que j'ai reçu mon diplôme par rapport à la gestion, justement, gouvernance Internet. J'ai achevé mes études en 2009 au Pakistan. Et donc, j'ai toujours suivi de près ce que vous faites. Et je vous remercie pour tous les travaux que vous avez... que vous avez réalisé. Alors pour ce qui est de la réglementation Internet, je voudrais qu'on parle un peu pays en développement. On appelle ça le Sud, mais bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On va dire les pays en développement, même si là encore, c'est une simplification. Pour ce qui est de la réglementation Internet, les textes de loi sont souvent impliquent de la modération de contenu. On a des règles autour des big tech. Beaucoup de choses se passent au Pakistan, en Inde aussi, en Asie d'une manière générale, en Asie du Sud-Est notamment. Et c'est la course, c'est une compétition. On a l'impression que chacun essaye d'être encore plus strict au niveau des réglementations que les pays voisins. Et je ne sais pas si c'est la bonne voie, très franchement. Je ne sais pas si on devrait suivre la voie du mieux-disant ou du plus strict disant en matière de réglementation. Ne soyons pas trop rigoristes. Allons plutôt vers de l'auto-réglementation sur Internet, de l'autodiscipline. Les approches ne sont pas les mêmes, hein, d'un pays à l'autre. Il y a du benchmarking, et c'est très bien. Il y a de l'émulation. Il y a des pas qui sont faits pour... on a suivi, vous savez, en Asie, ce qui s'est passé en Union européenne. On sait ce que c'est que le RGPD. Donc, on essaie de copier un petit peu ce qui est positif en la matière. Et en réalité, on se rend compte que tout cela prend de plus en plus d'importance dans le contexte de certains cas de discours de haine ou de mise en vitrine d'actes de violence envers les femmes même parfois. D'un autre côté, il faut se souvenir, il faut savoir qu'il y a des textes de loi qui sont mal écrits. Quand ils sont mal écrits, c'est qu'ils ont été mal pensés en général. Donc les textes de loi qui doivent contrôler ou limiter la diffusion de fausses informations ou la cybercriminalité doivent être bien pensés, mûrement réfléchis et bien rédigés. Donc, en ce qui concerne sa réglementation, il devrait se concentrer sur ces tendances qui apparaissent. Il devrait aussi répondre aux besoins des autres parties intéressées dans la région. Donc, nous voyons aussi une division entre les pays du Nord et du Sud. Dans les pays du Nord, nous avons affaire à des réglementations plus rigoristiques, et au Sud, ces réglementations ne sont pas si rigoristiques, donc nous avons des différences. Il faudrait se pencher là-dessus, comment harmoniser tout ça. Donc cette séparation entre le Nord et le Sud, il faut l'éliminer en ce qui concerne la réglementation, mais l'autorégulation.
réglementation aussi, parce que dans certains pays, il n'y a pas cette volonté politique de réglementer l'activité des organismes privés tels les sociétés technologiques. Nous devrions donc trouver un équilibre. Merci beaucoup pour ces remarques. Nous sommes heureux que vous suiviez ce que nous faisons et je suis content de voir que pendant vos études, vous avez étudié ce que nous faisions. Vous avez très certainement réussi tous vos examens. Merci beaucoup de votre vous avez parlé des changements en ce qui concerne la réglementation. Les acteurs de l'administration publique se concentrent sur ces questions. Vous avez aussi dit combien les décideurs dans différentes régions, dans différentes contrées du monde, comment ils voient ces questions-là. Et c'est une voie très intéressante. Je vous rappelle la nécessité de trouver un équilibre. Et je pense que ça s'inscrit dans les sujets dans ce qui a eu lieu pendant la session ce matin. Nous avons parlé de contenu, c'est un autre bloc thématique. Comment gérer le contenu sur Internet. J'ouvre ici le micro pour vous. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre... je m'adresse aussi à mes panélistes. Vint Niktat peut-être voudrait prendre la parole en ce qui concerne les données. Oui, merci beaucoup. Merci de me donner de me permettre de prendre la parole. C'est important ce qui a été dit parce que parfois la réglementation ne répond pas, enfin ne remplisse pas leur fonction qui était au début une intention. En même temps, du point de vue des affaires, une augmentation cohérente et bienvenue parce que dans de telles conditions, les entreprises peuvent agir à droit égaux. C'est une question assez complexe, surtout à grande échelle. Donc, j'aimerais souligner ici que nous, tout comme d'autres entreprises, nous allons vers la direction d'utiliser ces méthodes plus automatiques de transformation et de reconnaissance de contenu. Évidemment, l'intelligence artificielle, l'apprentissage des machines, c'est des tendances bien visibles et ce sont de bons outils que nous pouvons utiliser. Mais malheureusement, ils ne sont pas parfaits en ce qui concerne l'amélioration de leur... l'échelle de leur activité. J'espère que les décideurs, les législateurs qui créent les réglementations remarqueront ces tendances et aussi les problèmes qui sont liés à la gestion des contenus. C'est un problème très sérieux et je pense que c'est aussi un processus dans le cadre duquel nous devons tous apprendre comment tout cela fonctionne. Nous devons parler et dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, de manière à mieux comprendre, nous tous, comment approcher les contenus et de manière plus commune, je dirais. Oui, vous avez mentionné l'échelle de l'échelle de certains processus, de la croissance de l'échelle. C'est un sujet très important. Je pense qu'il est particulièrement important de voir que ces informations viennent du représentant de l'entreprise Google qui, en vérité, gère un énorme volume de données. Nous devons donc savoir comment mettre en œuvre des solutions automatiques aussi. Merci, Gilles. Nous passons à l'intervenant suivant. Très rapidement, nous allons passer des expressions sur l'intelligence artificielle. Donc, nous avons des questions intéressantes de la part de nos auditeurs, mais nous allons les présenter. Mais d'abord, Jutta Klor, j'aimerais qu'elle dise quelque chose au sujet de l'intelligence artificielle et des droits des enfants. Elle va se référer à cela, à cette question si importante. Merci, je vous en prie. Oui, merci.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir octroyé la parole. Je ne suis pas sûr en caractère de qui dois-je parler ici. Comme représentant de l'UNESCO, dois-je me référer à cette question qui est maintenant l'objet de notre discussion, à savoir l'intelligence artificielle et les questions des droits des enfants. D'accord, si on veut que ça se fasse comme ça, si je veux assurer de la sorte, je m'en tiendrai au sujet auquel nous parlons. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous devons parler de cette intelligence artificielle et nous en parlons. Nous parlons de cette intelligence artificielle dans le contexte de contenu, mais aussi des données. Les mécanismes d'intelligence artificielle, c'est des mécanismes qui sont utilisés par de grandes sociétés, par les gouvernements, pour filtrer les contenus. Ce sont seulement des données qui sont filtrées par les mécanismes d'intelligence artificielle. Donc, on ne veut pas faire un débat ontologique sur ce que sont les données, qu'est-ce qu'est le contenu. Mais je pense que nous devrions plutôt approcher ces questions de manière un peu différente, de manière plus précise. Nous devrions peut-être réfléchir sur savoir comment ces questions sont résolues en Union européenne ou ailleurs. Mais si nous voulons vraiment relier les deux choses, nous devons nous mettre d'accord sur les définitions et réfléchir sur ce qui fait différer les données du contenu. Évidemment, je ne veux pas parler de ce document sur les principes éthiques dans les mécanismes de l'intelligence artificielle, c'était mentionné. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est dans ce contexte, les expériences concernant ce qui se passe dans un système plus large de la réglementation sont plus importantes. Pendant les réunions telles ce sommet, les discussions concernant l'Internet concernent justement très souvent l'intelligence artificielle. Nous parlons très souvent de savoir comment, par des mécanismes de gestion, nous pourrions, de manière plus juste et meilleure, utiliser les technologies modernes telles l'intelligence artificielle. Souvenons-nous que ce sont des technologies très complexes qui s'inscrivent et qui sont une partie inextricable de tout l'espace numérique. Je me souviens de toutes les discussions pendant les sommets IGF, la différence entre l'intelligence artificielle et l'Internet. Mais on ne peut pas le faire sans parler l'un à l'autre. Ces deux sujets s'articulent de très près. J'entends ici un écho, ce qui me rend l'expression difficile. Jovan, I'm sorry, I think you're on mute, or we've lost you. Jovan, tu as apparemment débranché ton micro. Serait-ce le cas? Sorry for technical issues. I'm sure our colleagues will. Nous sommes désolés pour ces problèmes techniques. Nous espérons que nos techniciens sauront résoudre ce souci. AI governance, but there are so many interplays. Let us go and hear from you about AI and the children, and then. D'accord. Attention, Yuta qui va nous parler de l'intelligence artificielle et des questions liées avec les droits des enfants. Merci beaucoup de m'avoir octroyé la parole.
Je pense que j'aimerais demander que nous nous référions tous à des directives qui concernent l'intelligence artificielle qui ont été créées par les gendarmes, par l'agence UNICEF. La version 2.0 de ce guidelines a été publiée et je suis en contact avec les parties intéressées. Il y a des études qui sont menées sur l'influence de l'intelligence artificielle sur les enfants. Maintenant, nous avons affaire à une situation où de nombreux gens utilisent les services basés sur l'intelligence artificielle sans qu'ils soient conscients de ce fait. Donc, l'intelligence artificielle est maintenant un élément de notre vie quotidienne et même les enfants ont affaire avec. Ils utilisent des services qui utilisent les mécanismes d'intelligence artificielle sans le savoir. Donc, maintenant, il n'y a pas d'études sur la manière dont les algorithmes influent sur le développement émotionnel ou psychique des enfants, surtout à une étape précoce de leur développement. Évidemment, l'UNICEF a créé certaines propositions de directives qui englobent qui empruntent des recommandations de types très différents. Je vais juste souligner quelques-uns. Éviter la discrimination et aussi un accès juste à l'espace numérique. La transparence est aussi très importante et la possibilité de contrôler ceux qui utilisent les mécanismes d'intelligence artificielle. C'est les adultes qui sont responsables. Ils doivent être conscients du fait que l'intelligence artificielle peut avoir une influence sur le développement des enfants. J'aimerais aussi souligner que les recommandations comprennent un appel à ce que les fournisseurs de ce type de service soient conscients du fait que ce qu'ils font a une influence sur le développement des enfants. Et hier, il y a une réunion dans laquelle a participé l'un des commissaires de l'Union européenne. Et en vérité, il y a eu des voix qui ont été entendues, comme quoi l'Internet peut devenir maintenant non seulement un endroit où les enfants apprennent, c'est pas seulement une bibliothèque, mais ça peut devenir aussi un terrain de jeu. Donc, Internet a une grande influence sur beaucoup de domaines de notre vie et nous devons réfléchir de savoir comment ces mécanismes sont utilisés. Merci, Jutta, d'avoir introduit cet élément intergénérationnel qui vient souligner la question de l'influence sur les enfants. Et je pense que nous devrions aussi parler de cela dans termes plus larges. Nous avons tous une influence sur notre monde, comment il se structure, comment il se forme, mais ce monde sera le monde de nos enfants. Donc il est très important d'utiliser et de prendre en compte dans nos décisions cet élément des générations à venir. Maintenant, j'aimerais me référer à ce qui a été dit par Vint et ce qu'a mentionné Caroline. Et après, je demanderai à nos panélistes de bien vouloir résumer ces énoncés à nous. J'aimerais souligner ici avant tout le fait que évidemment l'éthique est très importante, mais ça ne concerne pas uniquement l'intelligence artificielle per se en soi, parce que c'est une dimension plus large, c'est une dimension qui concerne la programmation dans le sens de logiciel. Ça ne marche pas toujours comme ça a été planifié par son créateur. Donc, nous devons faire la même chose sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Nous devons être conscients du fait que dans le fonctionnement de tels programmes, il faut toujours prendre en compte les questions éthiques. Et ces questions éthiques ne concernent pas seulement l'intelligence, mais l'apprentissage des machines. Donc, j'ai très peur que des erreurs dans la programmation peuvent faire que ce programme va être utilisé à des fins illicites, par exemple par les pirates, les hackers, qui vont faire de l'activité criminelle sur Internet. Donc, je pense que les créations, les créateurs de software ont une responsabilité éthique d'assurer que les mécanismes tels que l'intelligence artificielle et les autres ne seront pas utilisés à des fins illicites. Et évidemment, c'est une question très complexe. Des erreurs, il peut toujours y en avoir. Nous devons faire en sorte à ce qu'il en ait le moins possible que nous puissions affronter les conséquences de ces problèmes. Essayons aussi de répondre à la question de savoir comment on pourrait être sûr que les données programmées
sont en sécurité. Et là, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir une solution avec les mises à jour de logiciels. Merci beaucoup. Merci, car je suis content que Carolina ait attiré notre attention sur cet aspect important lui aussi. Oui, non, mais ce sont des sujets, effectivement, des enjeux très, très, très importants qui suscitent parfois quelques craintes de mon côté parce que nos ressources sont tout de même limitées pour ce qui est de la création de solutions juridiques. Il y a eu un problème de blockchain à un moment, il y a quelques années, et puis maintenant il y a l'IA qui est le sujet de l'IA qui est sur la table et qui est même très à la mode. Mais les nouveaux cadres de l'Union européenne, au niveau conceptuel, ça me paraît très intéressant. Je pense que ça confine à la révolution, en fait, pour ce qui est de la création de solutions juridiques autour de l'IA. Et l'éthique est un élément particulièrement important. Puis-je donc donner la parole à Madame Mia, Oui, merci beaucoup. Madame Mia Petra Kumpula-Natri. Oui, merci. Je m'occupe justement d'IA au sein du Parlement avec des collègues qui, eux, sont plutôt sur la création. Et je pense que de nouvelles solutions, effectivement, vont être mises au point, de nouveaux outils juridiques. Nous participons à la commission qui crée justement de nouveaux outils juridiques autour de l'IA. Je suis président d'ailleurs de la commission aux affaires concernant l'intelligence artificielle. C'est une sous-commission en fait. Et oui, il serait bon de réfléchir à la question de savoir à quelle étape on en est pour ce qui est du développement de l'IA. Est-ce qu'il s'agit juste de machines qui apprennent? Non, en fait, on a accès maintenant à divers outils juridiques et la question de la gestion des émotions même et de la confiance de nos citoyens. Alors la confiance, vous savez, ça peut être un bien assez rare, trop rare. On n'a pas assez de confiance envers les vaccins, par exemple. Et ça, c'est un gros problème. Il est toujours plus facile, vous savez, de dire que de faire. Et ça concerne aussi la création d'outils juridiques autour de l'IA. Entre autres, on peut être tenté parfois de dire « Oh, l'IA, c'est un jouet. Est-ce que c'est sûr ou pas ?» Bon, est-ce qu'on peut parler de sécurité pour ce qui est des processus médicaux, IA, etc., pour ce qui est des voitures autonomes? C'est des choses qui sont automatisées et qui sont ancrées dans l'IA. Vous savez, moi, je suis très content. L'UE, effectivement, s'en occupe de plus en plus profondément. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, mais vous savez, l'éthique, c'est juste un aspect. Il y a aussi des aspects beaucoup plus pratiques, des enjeux plus pratiques qui concernent les produits qui sont disponibles sur le marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Tout ça nous montre que, en fait, ça implique ce que disait Vint, quand Vint parlait d'éthique et de responsabilité par rapport aux activités des entreprises créatrices de logiciels. Maybe you can switch on sound now. Désolé, là on a eu quelques problèmes techniques au niveau du son. Enfin, il me semble qu'il faut qu'on essaie d'utiliser, qu'on essaie de créer des standards éthiques et pas seulement dans le contexte de l'intelligence artificielle, d'une manière générale, dans le contexte des plateformes Internet. Vous avez posé une question au début qui se faisait l'écho de sujets qui ont été évoqués par diverses communautés religieuses. Qui est-ce qu'on peut contacter si on a des problèmes justement liés à l'IA? Vint, pourriez-vous nous donner un numéro de téléphone?
Moi, je vois que les questions sont posées par Amir Mokhabari. Oui, 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 il y a une question. Il y a une question, elle a été posée. Elle a été posée dans la messagerie. Mais on va peut-être commencer par répondre à la première, et ensuite on verra la suite. D'accord, moi je vais essayer de répondre à la question de... monsieur ou madame Mokhabari. Effectivement, des cas de criminalité, des délits ou des crimes peuvent avoir lieu en ligne ou hors ligne. Internet peut parfois être la scène de divers agissements condamnables. Je crois que les problèmes techniques ne nous... Oui, le micro a été... désolé. Je vous demanderai de ne... La cabine arabe doit couper le micro. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, nous a demandé de plus coopérer, de coopérer plus largement dans le contexte numérique. En parlant justement de l'initiative de coopération numérique. Je crois que cette nouvelle initiative pourrait constituer une excellente plateforme servant tant à créer de la confiance qu'à rendre la coopération entre les forces de l'ordre, ou plutôt les parquets, plus étroite encore. Les deux d'ailleurs, parquet et forces de l'ordre, Interpol, etc. Il s'agit de poser des questions et de répondre aux questions sur la manière dont on pourrait assurer plus de sécurité pour les données et pour les usagers. Parce qu'il y a des données qui peuvent être considérées comme précieuses lors des procès, par exemple. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vic, pour ces informations. Je sais que Google, dans le contexte de la sécurité des données, fait un très bon travail. Entre autres pour ce qui est des solutions simples dont on peut se servir un usager. Essayons pour ce qui est des solutions de mentionner la complexité des systèmes d'intelligence artificielle et n'oublions pas que le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel justement à ce sujet. Il voulait demander à ce que la complexité ne nous force pas à perdre un peu le degré de simplicité qui serait souhaitable, car il y a quand même un certain degré de simplicité qui est souhaitable. Moi, il est assez rare que je change d'opérateur. Ça concerne vraiment des services divers et variés. J'ai parlé avec des voisins, des amis, des diverses normes pour ce qui est de la téléphonie. Mes amis sont pareils. Ils disent, une fois qu'on est habitué à un fournisseur, on n'a pas envie de changer. C'est comme ça. Et puis vous savez, c'est comme si quand on a des amis qui nous sont chers, qui sont sur WhatsApp, on n'a pas envie de changer. C'est un peu pareil avec la télé. Enfin voilà. Avant de passer à la suite des commentaires, je voudrais que l'on réfléchisse ensemble. Aux conclusions que l'on pourrait tirer de cette session et des messages qui pourraient être envoyés avant que nous nous disions au revoir dans ce contexte, je voudrais que nous passions, que nous jetions un œil à la messagerie, parce que je crois qu'il y a des questions assez pertinentes. Là, il y en a une, par exemple, qui nous vient de Madagascar, tout droit de Madagascar. Il y a un collègue qui nous pose une question sur la protection des données personnelles, nous demandant comment se protéger des pirates. Une question donc malgache. Comment se protéger des pirates? Ursula peut-être voudrait... Il y a aussi Ursula qui voudrait savoir quels sont les systèmes créés visant à... Au programme 2030, PIB, il y a un lien aussi vers un des documents. Merci Ursula. Il y a aussi un nouveau lien concernant des consignes de l'UNICEF. Oh, c'est donc la question de la sécurisation, de la protection plutôt des enfants. Thomas aussi nous écrit sur la messagerie. Il nous dit qu'il y a
Il y a un problème avec l'interprétation en ligne. Il n'arrive pas à changer de langue, visiblement. Alors, est-ce que c'est juste le cas de Thomas ou est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs qui ont des problèmes à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je vais juste dire une chose, c'est que nos collègues de l'équipe technique font de leur mieux, en tout cas. Je pense que s'il y a un problème qui concerne tout le monde, ils vont le régler. Si c'est juste le problème de Thomas, ils vont le contacter. Je n'ai pas l'impression. Ah, Ramon écrit que... Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'on peut continuer, c'est ça? Oui, et puis je vois qu'il y a une question. Ik Kanshin, vous avez une question? Oui, oui, allez-y. C'est une, je vais y aller. C'est une question vraiment d'ordre général. Je ne vous demanderai même pas de commenter directement ma question. Pour moi, c'est vraiment... C'est pour faire réfléchir, en fait. Moi, je suis d'accord, en tout cas, pour une chose, c'est qu'il est très important de mettre au point des standards globaux, des standards mondiaux, et de coopérer au niveau mondial. Les choses évoluent, je vois. Traités, accords, au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre du G7. Il y a divers forums qui se penchent un peu sur les mêmes questions, sur les mêmes aspects. Il serait bon, je pense, de se poser la question de savoir où sont les conséquences, où se trouve le pouvoir central, qui est au cœur, qui est aux commandes, qui est au volant. Merci. Vint voudrait aussi prendre la parole pour répondre, visiblement. Vint? Nous essayons évidemment de suivre les pays, les travaux réalisés par les autres institutions à de nombreuses reprises. Nous avons demandé à ce que soient partagés les rapports, mais vous avez raison. Au fond, il y a tout un ensemble de groupes qui travaillent un peu sur les mêmes problèmes. Au bout du compte, je pense que c'est dans la pratique que nous allons pouvoir vérifier au mieux ce qu'il en est. C'est en fait sur le champ de bataille qu'on comprendra ce qu'il en est. Oui, alors pour ce qui est de la cybercriminalité, je crois que c'était le quotidien il y a quelques années. Mais ça n'a rien à voir en fait avec ce qui se passe maintenant, à l'heure qu'il est. N'oublions pas les discussions de Dubaï, de Melbourne, en 1998. C'est à l'époque, en effet, que nous avions pris des décisions ensemble concernant la cybercriminalité. N'oublions pas ce qui s'est passé au moment du début de la pandémie. La communication via Zoom, maintenant, c'est devenu la norme, pratiquement. Et les données concernant la santé des citoyens, c'est des choses qui circulent via Internet. On en avait parlé à Genève, on avait parlé du rythme auquel les choses allaient déjà. On a une question qui nous vient de Bangladesh, parce qu'il y a une plateforme de conférence là-bas. Nous allons pouvoir, je pense, répondre à la question. C'est une question posée oralement. Oui. Nous sommes connectés à distance, ça n'est pas une question par messagerie, nous sommes connectés. Et pouvez-vous répéter votre question dans ce cas, parce que nous n'avons pas bien entendu. La question est la suivante. De quelle manière l'IA pourrait contribuer à développer les zones rurales des pays en développement? Alors, voilà une bonne question. Je crois, donner la parole à Nigat Dam, peut-être, qui représente
qui représente l'Asie. Voudriez-vous répondre? Ou alors, avant, vous savez ce qu'on va faire? C'est que je vais attirer votre attention sur une chose. Regardez avec quelle force le quotidien que sont devenus les réunions hybrides. Vous voyez, il y a des gens qui sont à Katowice et qui ne peuvent pas poser de questions parce que c'est les gens qui sont en ligne qui peuvent poser des questions. C'est nouveau, ça. Alors, la question est la suivante. De quelle manière pouvons-nous faire en sorte pour assurer les droits égaux de ceux qui sont en ligne et ceux qui sont hybrides? C'est donc une question de Vittorio, et ensuite je demanderai une réponse de la part du collègue du Hub de Bangladesh. Au micro ou via ordinateur, ouvrez-vous. Je parlerai au micro qui incorpore à l'ordinateur, malheureusement. Donc ma question concernait l'interopérabilité dont on a tant parlé ici. Je suis très heureux de voir que dans le monde entier, enfin, surtout en Europe, dans l'Union européenne, il y a de plus en plus de réglementations concernant les standards d'interopérabilité. Alors, le problème auquel que nous devons résoudre est le fait que certains gouvernements et les grands groupes Big Tech essayent de contourner ces réglementations et faire tout pour se protéger contre l'influence négative de cette réglementation sur leur travail quotidien. Et c'est dans ce contexte qu'il faudrait voir l'intégration des services et l'interopérabilité. Si quelqu'un veut répondre à la parole dans ce domaine, ça serait excellent. Oui, c'est une question très importante et je crois que Vin sera prendre position. Quand tu entends Vin, ce type de question, est-ce que tu entends de ton collègue de Bangladesh, par exemple, que il y a un problème d'accès à Internet. Comment faire avec? Il y a date de répondre. Moi aussi, j'aimerais m'exprimer au sujet des principes éthiques et comment, dans le contexte de l'IA, nous pouvons surveiller et respecter ces règles éthiques. On ne fait pas assez, à mon avis. On doit réfléchir sur de savoir comment ces grands géants technologiques vont respecter ces principes éthiques. Est-ce que nous sommes en état d'assurer l'hétérogénéité ou l'égalité? Parce que quand on est dans la Silicon Valley, on a une autre vision de l'IA, l'éthique de l'IA, qu'une Pakistanaise ou une femme qui travaille au quotidien au Bangladesh. Est-ce que nous avons le même accès aux possibilités? Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer là-dessus, sur cette diversité et la création de solutions bonnes pour toutes les parties intéressées? Vous avez parlé de l'égalité dans le contexte de l'accès à la réunion. Chez nous, au Pakistan, en Inde, en Bangladesh, nous avons affaire à une marginalisation très forte des femmes. Il faut aussi voir de près les problèmes qui sont liés au manque de possibilités d'accès à Internet pour des questions linguistiques. Un autre problème est les femmes sont soumises à un langage de la haine et au danger de persécution, y compris le viol. Et c'est le quotidien de certaines communautés dans ma partie du monde. Je ne suis pas sûr de la situation, de quoi l'air la situation à Bangladesh, mais du point de vue d'une Pakistanaise, je peux dire que nous essayons de bâtir un espace, une perspective dans laquelle nous pourrons parler des questions relatives à l'éthique, de l'IA. Et je suis présente ici en Pologne au sommet
numérique, mais je ne considère pas avoir la possibilité de parler de tous les sujets qui nous intéressent. Par exemple, le manque d'égalité quant à l'accès aux contenus, le manque d'accès à Internet, la censure sur Internet. Ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Le fait de parler ici à Katowice ne va pas résoudre la chose. Nous devons essayer de voir ces questions de plus près, ou de manière plus large, je dirais. Il y a beaucoup de travail devant nous. Et souvent, nous ne sommes pas en état de percer avec nos contenus. Ou en arriver à un moment où nous serons vraiment en état d'assurer l'accès à Internet et des contenus numériques dans tous les pays, y compris les pays en cours de développement. Excellente remarque. Et en fait, c'est la quintessence de ce débat, y compris ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'éthique. C'est aussi un débat qui a lieu au Vatican. Et en vérité, ces questions au Vatican sont abordées depuis de longues années. Les questions relatives à l'accès, mais aussi à la violence envers les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment ici se pencher sur... se pencher et regarder ça de plus près. Merci d'avoir mentionné cette chose. Je pense qu'il y a un sujet récurrent ici de standards, aussi bien chez toi que chez Vittorio. Et ces standards sont extrêmement importants. Considérez-vous que les standards, les normes, peuvent nous aider dans la promotion et dans l'assurance de l'interopérabilité? Est-ce que nous permettrons de mieux affronter les questions de l'intelligence artificielle? Parce qu'évidemment, il y a des réglementations qui peuvent être votées, qui peuvent entrer en vie, mais tout ne peut pas être réglementé, parce que tout change en continu. Donc nous devrions avoir peut-être des standards qui permettraient de résoudre ces questions. Pourrais-je demander un commentaire de la part d'un de nos intervenants, un commentaire par rapport à ce que Vittorio a dit, et lui qui a mentionné, qui a dit comment passer de la parole, des slogans, à une vraie interopérabilité. Quelle est la position du gouvernement? Quelle est la position des sociétés technologiques? Comment approcher le sujet? Caroline, toi, tu n'as pas encore beaucoup parlé, tu avais excellemment parlé, après c'était le silence. Peut-être tu voudrais, toi, dire quelque chose aux questions de standards et de l'IA. Après, ce sera le tour des autres. Oui, Vittorio a mentionné quelque chose qui est très important. Je pense que c'est la quintessence de ce débat sur l'interopérabilité. Il y a de bonnes pratiques que nous pouvons développer, mais nous devons nous souvenir qu'il y a aussi d'autres initiatives qui marchent bien souvent. Quand il s'agit de la formation d'Internet et de tout ça comme espace interopérable. Alors, il y a différentes solutions proposées par différentes organisations, comme celle que représente VINCERF. Il y a d'excellents exemples pour prouver que ça peut bien marcher. Hier, j'ai participé à la présentation d'un rapport qui concernait les facteurs qui conditionnent techniquement un bon fonctionnement de la toile. Je pense qu'Internet fonctionne bien, mais l'assurance de l'interopérabilité est très importante. Vittorio s'y référait aussi. Donc nous devons prendre en compte des questions différentes, dont les questions infrastructurelles. Donc aussi les questions de données. Qui a une influence sur la manière dont sont utilisés les mécanismes d'intelligence artificielle. En ce qui concerne la gestion de l'interopérabilité, c'est un grand défi, puisque
Nous devons assurer la sécurité. Nous tenons à ce que les systèmes de gestion de données soient interopérables, compatibles au niveau de différentes plateformes. Mais souvenons-nous ici que nous parlons de transformation de données des utilisateurs. Donc, nous devons être très prudents et en vérité réfléchir comment approcher le sujet. Nous devons assurer, nous devons adopter une approche non seulement descendante, mais aussi ascendante. Travailler sur le terrain avec les communautés locales, mais pas seulement dans les pays du Nord, mais avec les pays en développement. Merci, Carolina. Alors, voyons un peu le chat. Qu'est-ce qui s'y passe d'intéressant? Y a-t-il des questions au sujet de ce dont nous avons parlé ici? Et après, nous allons aller en direction de la synthèse de notre discussion. Chris. Christian Schneider a posé une question sur le rôle de l'ONU. L'ONU est une organisation qui regroupe beaucoup d'agences qui, et chacune de ces agences a un rôle à jouer. À présent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace numérique. Nous avons entre autres accès à des services médicaux, au commerce. Et nous, dans le cadre des agences de l'ONU, nous devons prendre une position. Et pendant des sommets, aussi pendant des sommets de type tels que l'IGF, il y a aussi une question concernant l'approche adoptée par le secrétaire général de l'ONU dans le contexte de ce problème, de ce programme proposé IGF+. C'est-à-dire, quelles sont les perspectives en matière de ce programme? Nous avons un commentaire de la part de Jutta Kroll, qui est d'accord avec Nigat, qui a parlé des groupes en situation particulièrement difficile. Beaucoup de personnes sont d'accord avec Nigat. Nous avons eu aussi l'occasion d'entendre les opinions de Chris, qui a parlé, qui a dit quel pouvait être le rôle du sommet IGF dans le contexte de cybersécurité, cybercriminalité, quelles sont les questions sur lesquelles nous devrions nous pencher encore plus dans le cadre de nos débats. Caroline a aussi s'est référée à des choses importantes, la protection des droits de l'homme, la protection de l'information. Et y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait faire un commentaire? Nous avons à peine 5 minutes pour faire la synthèse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la salle à Katowice. Nous avons des auditeurs ici qui sont toujours dans la salle. Et peut-être ils vont rester avec nous jusqu'à la fin. Je vois une question sur le chat pour Vint. C'est une question qui concerne des problèmes tels la criminalité sur Internet et les attaques cybernétiques. C'est un problème qu'on pourrait résoudre par la suite en assurant une infrastructure technique appropriée, par exemple, par Safety by Design, par exemple. Ceci pourrait aider à lutter contre la cybercriminalité. C'est un sujet important et dans quelques moments, je vais vous envoyer un lien, un rapport qu'on a publié récemment concernant la question. Dans la discussion, nous avons parlé des technologies blockchain et nous devions répondre à la question de savoir comment nous-mêmes les technologies qui reposent sur le principe de safety by design. Un de tels exemples peut être l'activité du côté noir d'Internet, le dark web, le réseau Tor. Sur des espaces, nous avons affaire à une activité criminelle. Nous devons donc veiller à la sécurité à l'étape de la conception de certaines solutions qui ensuite vont développer l'activité numérique. Alors, on va commencer peut-être par le représentant du Parlement européen. Peut-être aimeriez-vous prendre position et proposer des conclusions générales.
que dont nous nous souviendrons. Merci beaucoup. J'écoute avec une grande attention cette discussion. Je pense que c'est un des meilleurs débats qui ait été tenu lors de cette édition de l'IGF. Je regrette de ne pas être sur place physiquement. Je ne me souviens pas des noms de tous les participants, ou plutôt des noms de tous ceux qui ont posé des questions ou qui ont émis des commentaires, mais j'aimerais beaucoup les en remercier. Notamment pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer les zones rurales, pour ce qui est de la manière dont les agences, les programmes de l'ONU pourraient permettre de poursuivre nos buts tels que notre programme commun ou la feuille de route sur la coopération numérique. Beaucoup de phénomènes vertueux sont à l'œuvre et je ne peux que m'en réjouir. Tout ce qui est solution IA, ça peut nous aider à régler divers problèmes agricoles impliqués par le changement climatique. Je pense que des organisations telles que l'ITU ou l'UNESCO ne peuvent que s'engager sur ce type de travaux. Merci beaucoup d'avoir souligné ces aspects. Pour ce qui est de ce qu'a dit Vittorio, c'est bien ensemble, c'est quelque chose, une chose que moi aussi j'ai voulu évoquer dans le cadre de mon intervention. J'ai essayé de le faire en tout cas. L'idée est de retenir que l'interopérabilité est clé et qu'il faut s'assurer qu'elle existe, cette interopérabilité. Je voudrais remercier beaucoup notre collègue du Pakistan pour avoir fait référence à ces aspects. C'est quelque chose, un objectif qu'on n'atteint pas toujours grâce à la réglementation. C'est quelque chose qui doit venir des acteurs privés qui font en sorte que les infrastructures soient créées, mais nous devons créer simplement un contexte favorable. Et le Parlement européen, d'ailleurs, lors de la discussion plénière de lundi, s'y attachera. Il y sera question des questions d'infrastructure, mais aussi d'autres questions, d'autres aspects, comme les violences faites aux femmes. Il nous faudra parler d'une seule et même voix et être actifs. Pour ce qui est des plateformes, des réseaux sociaux, il y a un critère particulièrement important qui est la fréquence avec laquelle ces plateformes sont utilisées. Ce sont des plateformes qui sont utilisées très souvent, d'ailleurs avec, et c'est pour ça qu'il faut discuter avec les fournisseurs pour que de meilleures normes soient créées. Je trouve que pour ce qui est des entreprises et des communautés qui sont actives sur Internet, la responsabilité ne peut être sectorisée, ne peut être cantonnée à des sujets donnés comme le climat, par exemple. Il faut que ce soit général. Ce n'est pas quelque chose qu'on va toujours remarquer. Il y a des sujets qui peuvent paraître moins importants que le changement climatique. Mais il faut se souvenir que les changements climatiques, ça vient des émissions de CO2. Les émissions de CO2 sont invisibles, ça ne veut pas dire que c'est pas important. Et il en est de même de la gestion des données. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser aussi la question suivante. De quelle manière et à quel moment va-t-on nous retrouver dans une situation où nous pourrons où nous aurons la possibilité de transmettre des données, mais aussi celle de changer de réseau, comme c'est le cas dans le cas des téléphones portables, par exemple. Parce que c'est possible quand même dans le cas des téléphones portables. Est-ce qu'un jour on pourra effectivement, de manière complètement compatible, changer de plateforme tranquillement, sans coup férir? La réponse la plus courte que je puisse vous faire, c'est la suivante. Travaux sont menés actuellement déjà. C'est un aspect qui a été pris en considération dans les nouvelles consignes concernant le traitement des données. Le but étant tout simplement d'arriver à une véritable interopérabilité. Je pense que sur bien des aspects, on est encore à la phase de projet, mais je pense que ça va changer. Espérons que nous pourrons à l'avenir voir des résultats tangibles. Merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter une chose, c'est qui concerne les standards. Je pense que les standards pourraient être des normes pourraient accélérer les travaux. Vint, je vous en prie. Dans ces 20 dernières minutes, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je voulais vous demander si vous pourriez
Vint nous présenter des conclusions pour terminer cette discussion. C'est très important parce que c'est vraiment une discussion dont les implications sont larges. C'est un vaste sujet. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que dans le cadre de cette discussion qui se tient là, une chose qui est importante, c'est qu'il faut être humble. Nous avons un devoir d'humilité et de prudence, parce que nous parlons ici d'un milieu qui est particulièrement complexe. Les aspects tels que la security by design, c'est-à-dire la sécurité assurée dès la conception du produit. Il ne faut pas oublier que Internet, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe comme milieu. Ce sont des milliards d'usagers qui interagissent avec des logiciels, qui interagissent. Ces interactions sont tellement larges qu'il est difficile de prévoir toutes les conséquences d'un acte donné. Donc, soyons humbles et prudents. Soyons conscients d'une chose, c'est qu'il est difficile de contrôler le processus, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut rien faire. N'oublions pas que les fournisseurs de services, les prestataires de services, envoient beaucoup de contenu et on peut utiliser le modèle d'apprentissage par machine. Il y a tout un ensemble de techniques qui existent et qui demandent de pouvoir traiter de très vastes volumes et très grands de volumes de données. Donc soyons prudents et pensons à ce qui est possible. On a besoin de règles. On a besoin de règles claires, c'est vrai. Mais il faut que ces règles puissent fonctionner. Il faut qu'elles soient bien créées. Il faut qu'on puisse effectivement les appliquer en pratique. Parfois, ça peut ne pas être possible dès le premier coup, et ça peut être même du deuxième d'ailleurs. Mais tirons les conclusions de nos erreurs. Apprenons de manière à ce que les solutions appliquées soient améliorées avec le temps. Il ne faut pas se dire ça va marcher du premier coup, alors on se rend. Non, ce n'est pas ça. On va suivre, moi je vais suivre en tout cas avec beaucoup d'attention les travaux visant à améliorer la sécurité de tous sur la toile. Merci beaucoup, Vint. Je pense que c'est le meilleur résumé possible de notre discussion. Maintenant, si vous êtes d'accord, si les autres intervenants sont d'accord, et notamment Carolina et Nagat, peut-être pourrions-nous, vous savez, ce défi, cette demande d'humilité, cette demande de prudence, cette demande de modestie, je pense qu'il faudrait qu'elle nous guide. C'est une très bonne approche de l'innovativité. Humilité et savoir, humilité et connaissance. Ceux d'entre vous qui sont physiquement avec nous sur place à Katowice, je voudrais vous dire qu'il est, il importe d'aller voir Nowa Huta. Nowa Huta, ça fait partie de Cracovie. Regardez, je vais vous. Jean-Paul II a été curé ici avant de devenir pape. Je vous propose d'aller visiter Katowice, mais aussi d'autres endroits intéressants dans la région. Merci à tous. Et avant de vous dire au revoir, je vous ai montré la vue de ma chambre d'hôtel. C'est une discussion très intéressante qui s'est déroulée. J'ai appris beaucoup de choses. Comme vous le disiez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je rougis encore en repensant au moment où j'ai dit à Nigat qu'elle était indienne et pas pakistanaise. Mais bon, elle l'a pris avec humour et je l'en remercie. Nous avons beaucoup, beaucoup appris en plus de rire. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne continuation. Merci Johan. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. À ceux qui sont connectés et à ceux qui étaient sur place. Et pardon pour les problèmes techniques. Ça aurait été un plaisir. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour votre présence. Et pour les questions qui ont été posées aussi sur la messagerie. Merci, vous pouvez nous écrire en utilisant le hashtag approprié. Et merci à l'équipe technique. Merci beaucoup pour votre soutien.